Del pe tu preparation, question number one. Répondez aux questions en replaçant les éléments soulignés par un pronom direct. Est-ce qu'il a créé ce site internet tout seul? Oui, il l'a créé tout seul. Devons-nous rapporter nos diplômes pour l'inscription? Oui. Nous devons les apporter pour l'inscription. Est-ce que vous connaissez cette université? Oui, je la connais. Pourrais-tu me rappeler après 14 heures? Oui, je pourrais vous rappeler après 14 heures. Question number two. Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé ou à l'imparfait. Il crée un réseau social sur Internet en 2012. A créé, passé composé, quand nous faire des études. Faisions en parfait. Nous ne savions pas en parfait. Non. Il entrait en relation sur un site pour les jeunes diplômés. Ils sont entrés. Je m'en rapporte quand tu entres. Je finissais en parfait. Passé composé. Entrez. Next one. Mettez ces phrases à l'impératif en remplaçant les mots soulignés par un pronom. Vous devriez me transmettre votre CV rapidement. It will become transmettez-moi votre CV rapidement. Tu dois élargir ton réseau. It will become élargir le. Nous devrions nous rencontrer bientôt. Rencontrons-nous bientôt. Tu ne devrais pas commencer ton stage maintenant. Ne le commence pas. Next one. Complétez avec le bon indicateur de temps. Dans, depuis, en, il y a. Il est entré à l'université en 2013. Elle a commencé ses études il y a un an. Je suis ingénieur informatique depuis 2 ans. Il va finir ses études dans 3 ans. Question number 5. Complétez avec le mot qui convient. Candidature, compétence, stage. Il a posé sa candidature pour le poste. Elle a une solide compétence dans le domaine de l'informatique. J'ai effectué un stage
Next one. Complétez ces phrases au passé avec les expressions suivantes. Entrer en relation, mettre en relation, perdre de vue, reprendre contact. Je, avec mon ancien responsable. It will become, j'ai repris contact. Then, je, mon directeur de recherche. It will become, j'ai perdu de vue de mon directeur de recherche. OK. Next one. Il, avec le responsable des ressources humaines via un réseau social. Il est entré en relation. Ce site mettre en relation. Ce site met en relation un jeune diplômé et un étudiant. Question number 7. Cochez la bonne réponse. Il est capable de maîtriser ce nouveau logiciel. So, here, answer is maîtrise. La ponctualité est une atout, compétence, qualité essentielle. C'est qualité essentielle. Je connais, maîtrise, suis capable d'organiser mon travail. Last one, je suis capable. Sorry, je suis capable d'organiser mon travail. Next question. Question number 8. Vous participez à un forum professionnel en tant que jeune diplômé. Vous donnez des conseils à un étudiant pour trouver un stage dans une entreprise. Model answer. Cher Vivek, voici quelques conseils pour toi qui seront sûrement utiles. Pour trouver un stage, il faut créer une liste des entreprises qui t'intéressent. Ensuite, il faut préparer ton CV et une lettre de présentation personnalisée et envoie-leur. Il faut mettre en valeur de tes compétences et tes qualités. En plus, tu pourrais aussi demander une lettre de référence à un de tes professeurs. Cela va faire la différence. Bonne chance. Merci.